Pense qu'on va refaire avec l'inquisiteur pour commencer. On va voir. Je crois que les parties sont longues quand même. Ah, si on fait pas de la merde. Ah, la dernière fois, ça a été assez long. On va voir. Alors, commencer. Alors. Qu'est-ce que j'ai dans ma collection? Plein de trucs qu'il faudrait que je débloque. En payant. Ah oui, d'accord. Débloque des trucs. En payant. Pour l'instant, on a vraiment que les trucs de base. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais on va refaire une partie en mode basique. Alors, c'est mon tour. Ah, ils ont combien? Ils ont 2 PV. 1 d'attaque, 3 d'attaque. Putain, celui qui a 3 d'attaque. Voilà, on va faire ça. Complètement. C'est con. Un peu con. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut jouer autant de cartes qu'on veut. J'ai oublié. Bon, pouvoir augmente. Alors, cliquez sur une carte pour ajouter à votre défausse. Vous pouvez prendre n'importe quel nombre de cartes. Ne pas les prendre du tout. Alors, les haches lourdes, je crois que c'est pas mal. C'est 2 points, infliger 2 points de dégâts à une créature si votre paquet contient 25 cartes. Ouais, ça c'est plutôt bien. Et les potions de soins, c'est toujours agréable. Et il a gagné un truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Carte de compétence. Créature autre qu'un boss ou perdu. À prendre jugement. Celle suivante. Alors, deux rapidités, ça c'est chiant. Attaque en premier. Et une frappe critique. Ah, ça c'est embêtant aussi. Alors. On va prendre ça. On va faire ça. On va buter ce truc là. On va buter ce truc là. De dégâts et on va se heal parce que pourquoi en fait très con usage unique il récupère pas ces cartes là oh, j'ai un peu oublié comment ça marchait hein. Alors les deux cartes, hein, trésor 5, ouais, trésor, oui. Usage unique. Ajoutez une carte aléatoire objet à votre main. Et ça c'est un trésor. Trésor c'est important. Mais non je vais passer, tu vois. Pas grave. On va pas prendre trop de trésors. Aussi. Ah, un boss. Un métamorphe. C'est embêtant. J'ai pas 25 cartes, donc ça va faire 2, 3, 4, 5, 5, 10, mais je perdrai 2 PV. Sinon ça fait 9 et je perds pas de PV. Bon, on va faire ça.
Ah bah voilà, c'est bon. Alors. Enchanté. En défaussant cette carte à votre tour, son effet s'applique. Ne fonctionne pas si vous défaussez une carte à la fin d'un tour. Ça. Mais j'ai pas grand chose pour faire des fausses. Qu'on verra bien. Ah, ils se boostent l'un l'autre. Pas très cool. Pouvoir augmente. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, compétence. Tirer une carte, vous perdez un PV. Dernier mot, tirer deux cartes. Défausser une carte, si c'est une carte trésor, vous gagnez 5 PV. Si c'est une carte arme, infligez 2 points de dégâts à toutes les créatures. Si vous défaussez une autre carte, tirez une carte. Ça, c'est plutôt bien. Prendre ça. Un tour. Alors, restaurer 2 PV, bannissez toutes les cartes blessures de votre paquet. Trésor 5, infligez 2 points de dégâts à une créature. On va prendre ça. Un trésor. Alors, on va prendre la salle difficile. Ah, lui, il a bouclier et 4 de dégâts. Putain, enfoiré. Ça m'embête. On va prendre ça. Il a bouclier en plus. Pas ? Qu'est-ce que je fais ? Quelle naze, je me suis trompé. Oh, c'est crit, ok. Bon, ça va, c'est pas très grave. On limite les dégâts, c'est déjà ça. Fais gaffe, putain, c'était quoi l'autre? Ça c'est chiant. Combien de cartes dans le paquet? Pas assez, je crois pas. Non, il serait, ça serait affiché. Il manque encore des. Encore des cartes. Donc, voilà, ça va piquer un peu. 3 de dégâts là. Ça marche bien en vrai. Ça marche vraiment très très bien. Oh, je peux la jouer si tu veux. Ça changera rien.
Temps de prendre des trésors. Bon, la faucheuse. Comment vous dire? Ça m'ennuie. Salut, Fituelry. Alors. 3, 3. Il fait quoi, lui? Je crois que cette créature se fait des dégâts. Vous perdez un PV. Pas très sympa. Ah, je gagne un truc. Dernier mot, c'est vraiment bien en fait. PV, t'es sérieux? Oh là là. Il me faut du heal là. Hein. Ah bah c'est la merde. Ah. Alors, oui, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? C'est une carte de tarot, ça c'est important. Le chariot, c'est ça, hein? Fin de votre tour, vous obtenez un bouclier. Au début de chaque tour, vous tirez une carte de moins. Ça c'est fort. Le chariot, c'est fort. C'est vraiment très très fort. On continue. Hein. Là, on va essayer d'aller au bout. La dernière fois, on s'était arrêté en cours de route. Un peu regretté. Alors. J'espère faire une frappe critique. Dommage. On va prendre un dégât. Tant pis. Ah, ils se régènent ces cons là. Merde. C'est fort le chariot. C'est vraiment très très fort.
que 15 cartes, il m'en faudrait 25 pour activer... Il m'en faudrait 25 pour activer... Putain, c'est chiant, ça. Là, ça va être chiant. Alors, restaurer 2 PV, tirer 2 cartes supplémentaires au prochain tour. Pas restriction. Durant ce tour, après avoir joué cette carte, vous ne pouvez plus en jouer d'autres exemplaires. Ah, mais ça, j'ai pas de carte épée, en fait. On va prendre ça. Ah, il prend que 1 à chaque fois, c'est casse-couille. Après, je peux les défausser ces cartes-là, donc c'est l'avantage. Je m'en débarrasse de toute façon. Je m'en débarrasse, sinon c'est trop chiant en fait. Usage unique, c'est bien, mais c'est chiant. On va prendre parce que usage unique, on peut les utiliser. Ça peut servir. Mais c'est pas ouf. Oh là là. Oh là là. Oh la merde. Oh le tour de merde. Oh l'enfer. Putain, mais 3 mecs qui bannissent plus 1 qui fout des malédictions quoi. C'est violent un peu hein. C'est bon, c'est bon. Ça va être chiant, mais c'est bon. C'est chiant là. J'ai ça. Hein. Ça va?
Allons dans une salle des mystères. Ah merde. Changer des trésors contre des objets. Se débarrasser de ces merdes. Faut que je monte mon nombre de cartes. Hein. Donc, eux, ils ont raillerie, donc on est obligé de les taper en premier. Con, parce que ça sert à rien du coup, H tour. Enfin, ça sert pas autant que ça devrait. Prendre tellement la max. Tellement prendre la max. Putain, mais il revient direct, t'es sérieux? De régène. Salut Maroshi. Moi je prends pas toutes les cartes. Il y a des cartes qui m'intéressent pas trop en fait. Donc j'ai pas envie de prendre n'importe quoi comme carte en fait. C'est vraiment la seule raison. Hein.
prends le chariot, ce must-have. Pas mal, hein. Chier. Bon, je vais prendre un, c'est pas grave. C'est bon. Ça neutralise que dalle, c'est ça qui est bien. Si ça neutralise quand même. Ah oui, parce qu'il y a plus de 3. Oh, c'est bien. Donc à sa mort, il invoquera pas 4 petits ouzes 1-2. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. La refaire si tu veux, mais ça changera rien. Allez, pas une carte trésor qui serve à rien. On aurait pu faire deux quand même, ça a pris. À tous les jours. Ça non. Endurance, c'est quoi endurance? Ne peut pas être étourdi et l'attaque ne peut pas être réduite. Oui mais il est tout seul donc à la rigueur on s'en branle quoi. En fait. C'est ça le truc. C'est que vu qu'il est tout seul on s'en branle. Y a aucun danger. Vas-y, hein, tape mon bouclier, hein, je te regarde. Hein. Je t'aime bien. Hein. Ah, je peux pas la virer. Ah, quel dommage. Ça se marchera pas. Je sais pas, je peux pas gagner de PV. Celle-là, ça sert à rien. Dommage. J'ai plein de cartes pour défaut, c'est ça tombe après. Pas de chance. Alors évidemment, il risque d'appeler d'autres copains au bout d'un moment, non? Si c'est trop long. C'est ça qui me fait un peu peur. Alors on peut pas lui réduire son attaque, donc on va éviter de faire ça. On va faire ça, tiens. Je sais pas trop. J'aurais pas dû prendre ça. Je pense que c'était une erreur. Ouais. Ça. Oh, ça fait piocher, remarque. Chaque fois ça tombe mal. Hein. Pas de bol. Oh, ça crit. C'est beau ça. Toujours rien pour défausser, hein. Et c'est casse-couille, hein. Voilà. Un boss dangereux. Hein. Un boss très très dangereux. Hein. Ça.
Ça, ça marchera pas trop. On va éviter de la prendre. Même si c'est une arme légendaire, le problème c'est qu'il faut perdre des PV et je perds pas de PV en vrai. Prendre le trésor, mais le trésor, c'est chiant d'avoir trop de trésors en vrai. Trop chiant d'avoir trop de trésors. Alors, on va prendre évidemment une carte de tarot parce que c'est vraiment trop fort. Alors au début de chaque tour, tirez une carte supplémentaire lorsque vous recevez cette carte de tarot. Bannissez 5 cartes aléatoires de votre paquet. Ah non. Ah non, merci. Lorsque vous jouez une carte de type potion, tirez une carte. Lorsque vous recevez cette carte de tarot, sélectionnez-en deux autres jusqu'à la fin du jeu. Vous ne pourrez plus obtenir de cartes de tarot. Arrive un peu tôt le fou, non? Je pense que je vais prendre les amants. Pour reroll, effectivement. Parce que j'ai pas besoin de me régénérer ma vie, ni d'enlever des cartes de mon deck. Effectivement, je peux reroll. Alors, la roue de la fortune, il me semble que c'était pas mal. Si votre carte subit des dégâts aléatoires, alors elle infligera toujours son maximum de dégâts. Ça j'aime bien. Augmente les chances de réaliser un coup critique jusqu'à 50%. Alors, si vous n'avez pas joué de carte arme pendant ce tour, tirez une carte supplémentaire au tour suivant. Si vous n'avez pas joué de carte compétence pendant ce tour, restaurez 2 PV. Ah oui, ça c'est fort la grande prêtresse. Et la mort, chaque fois qu'une carte arme inflige des dégâts, recevez un jeton. Quand vous obtenez 10 jetons, ils sont supprimés et vous infligez 2 points de dégâts à toutes les créatures. C'est pas ouf la mort en frère. C'est bien, mais c'est pas ouf. Hein. Et bon, faut attendre d'avoir 10 jetons pour faire 2 de dégâts à toutes les créatures. Bah, fait chier. La grande prêtresse, c'est rigolo. Hein. Ça permet de piocher. Sachant que j'ai pas trop d'armes dans mon deck. Pas mal de compétences. Puis bon, t'es pas obligé de les jouer en vrai. C'est ça qui est bien, c'est que t'es pas obligé de les jouer, tu peux les défausser. Non, la grande prêtresse c'est vraiment trop fort. On continue évidemment. Un frappe critique. Je suis à combien de cartes? 19. Ça avance. Pas encore assez, mais ça avance. Dommage. Oh, peu importe. Salut, Colonel Carter. Oh, un voleur des ombres. Ça, c'est chiant. Ah, lui, faut le buter. Hein. Tous les jours. Sauf que c'est la malade, c'est la marde. La marde. Je vais pas le buter, putain. Non, il va encore me voler un truc, connard. Le truc là, il a pas crit évidemment. Oh merde. Bah, enchanté, je crois qu'il. Pourquoi il a marché? Attendez. What? Pourquoi il s'est appliqué? Ah non, j'ai rage quit ce jeu de mort. Pourquoi il s'est appliqué? Je sais pas. Ou alors c'est... Attendez. Bah si, attendez. Je sais pourquoi.
Non, c'est pas ça. Bah, je sais pas. Bah écoutez, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ça, c'est rigolo, mais ça permet de défausser, de machiner tout ça. Ah oui, d'accord, les fesses, ouais. Ah, pourtant, il s'est pas fait. Ah oui, c'est pas... après, ça dépend. Aussi, si vous défausez une carte de votre main, j'ai 4 points de dégâts à une créature aléatoire. Une compétence. Ah ouais, mais c'est un peu compliqué à jouer hein, en vrai. C'est que ma théorie, ouais, un peu compliqué parce que je suis pas très bon à ces jeux-là en vrai. Ouais, ouais, c'est pour ça, ouais, c'est à cause du nombre de l'attaque. Oui, non, mais j'avais compris. Je sais pas quoi prendre. Je suis presque à vouloir rien prendre en fait. Y'a rien qui m'ambiance. Alors bah on va faire Terre Sainte, hein, comme ça il nous invoquera pas ses saloperies quand il mourra. C'est pratique Terre Sainte, en vrai. Hein. C'est très très pratique. Bon, on mettra de piocher un peu plus au prochain tour. S'il plaît. Embêtant. Alors ça tape fort, mais se rajouter des cartes malédiction, je suis pas convaincu. Hein. Font quoi les cartes malédiction en fait? Perdez un PV. C'est gérable, non? En vrai, c'est gérable. En vrai, c'est totalement gérable. Hein. Oh putain de merde. Hop là. Merci hein. Et puis salut hein. Oh les connards. Oh putain. Heureusement hein. Oh, par contre, je vais en prendre un peu plein la gueule, mais. Enfin, c'est pas grave, je peux me régène. Je peux me régène, potentiellement. Par exemple, avec ça. Par exemple, avec ça. On va infliger 5 points de dégâts à. Peu importe. Oh, ça. On va virer la torche. On va infliger 2 ici. Ça marche pas. Et hop, on va perdre 4 PV. Encore en perd 2 au prochain tour. Mais c'est pas grave. On va essayer de se régénérer. Là, on perdra plus de vie. C'est la bonne nouvelle. Non, c'est le moment de s'emmerder. Connerie de jeu. Putain. Ah là, ça fait chier un peu. Hein. Là, ça fait vraiment chier. Hein. En plus, c'est éthéré cette saloperie. Hein.
hein. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Je me débarrasse de ça parce que c'est trop chiant. Quitte à perdre un peu de PV. Tant pis. Je vais en regagner 4 de toute façon là. Je vais en regagner 2 là. Je vais en regagner 4 là. Et voilà, c'est bon. Mais ça peut être rigolo. Ça paraît de piocher à la rigueur. Un peu plus. Ça, c'est vraiment pas génial. Bon, en vrai, on s'en sort pas trop mal en termes de PV. Hein. Régène ça. Améliorer votre arme non légendaire. Amélioreriez quoi, vous? Elle? Cadeau. Pas assez d'or. Dommage. Ah, tant pis. Non, le pavois, non. Je l'ai pris, mais en vrai, je me pose la question de pourquoi. Hein. J'avoue. Oh putain, il y a une créature raillerie. Oh, merde! Putain! Oh, les... Oh la merde. Tiens, allez. Ça. Il me volera pas mes cartes, connard. Je peux plus jouer de cartes. Surprise, motherfuckers. Ah, c'est lui qui m'empêche de jouer plus de 5 cartes par tour. Quelle merde.
T'as pas compris quoi? Ah oui, pour le nombre de cartes limitées. Bah oui, c'est marqué là en fait. Il suffit de lire, oui. Au final, il suffit de lire. C'est fou. Quoi. Il est fou ce jeu. Oh, j'aurais peut-être dû bourrer la gueule avec l'épée maudite en vrai. Je fais une erreur là. Bon, j'ai du temps. J'ai du temps. Ah non, j'ai plus de temps. Alors tu pourrais crit de temps en temps, saloperie. J'avais pas voix, j'aurais pas dû le prendre en vrai. Ça va être un peu moins casse-couille. Il a mis du temps à arriver quand même, hein. J'ai déjà un bouclier, c'est ça, je peux pas cumuler les boucliers quoi. Je vais quand même le prendre. Mais bon. C'est vraiment pour ajouter des cartes. Hein. Non mais je les virerai ces cartes là. Oh la vache. Oh putain de merde. Ah bah on va se taper des malédictions à l'infini. Hein. Ça va être formidable. Mais ça va être vraiment formidable. Formidable. Ah oh bah lui il est mort. Ouais c'est vrai que j'ai 26 cartes du coup avec les malédictions. C'est formidable. C'est génial. Ah, si ma hache sort, hein, ça va faire mal. Hein. Cursed. J'ai fait un succès. Voilà. Vous allez arrêter de m'emmerder déjà. Ça, on soit très clair. Hein. Vous allez arrêter de m'emmerder. Voilà. Vous voyez, j'ai plus que 24 cartes. C'est dommage. C'est ballot. Bah après toutes les malédictions, c'est bon. Normalement, ça fait des dégâts. Ça évite de se rajouter une curse. Ah bah là ils vont prendre la max. Paf. Qu'est-ce que tu vas faire? J'aurais dû prendre difficile, peut-être.
Elle est pas assez l'heure. Ah bah dommage. Bonjour. Super, tous les PV sont là. Si c'est pas génial ça, parce que c'est. Allez, j'ai 25 cartes par contre, du coup je peux tirer une carte quand je l'utilise ça. Mais il est craqué cet anneau. Hein. Il est vraiment craqué cet anneau. Hein. Putain, je peux même pas le. Je peux rien faire. J'ai rien eu en attaque. J'aurais eu deux attaques, je le butais le diablotin. Et là, je peux pas. Il s'est augmenté son attaque à lui? Non, à lui. Oh putain, c'est chiant. Emmerde. Emmerdant. Moins emmerdant, mais j'ai fait de la merde du coup. Ça sert à rien parce qu'ils vont faire régène, mais bon, c'est pas grave. Rien pour me heal. Non, dommage. Oh, c'est pas grave. Alors, visée attaque d'une créature autre qu'un boss de 2. D'accord. Pas marqué usage unique ni quoi que ce soit. Hein. La reine des voleurs. Au début de chaque tour, bannissez une carte au hasard de votre pioche. Ça va être casse-couille. Là, on est parti sur un truc qui va être extrêmement casse-couille. Ça sert à rien le livre saint du coup. C'est chiant. Je vais me faire. Putain. Ça va être trop chiant. Là, je me fais pourrir ma game. Là, je me fais totalement pourrir ma game. C'est violent. Hein. Au hasard les meilleures cartes hein. Ça enlève au hasard les meilleures cartes hein. Tout va bien. Putain quelle merde.
Ça, ça me va. Pour le coup, ça, ça me va. Ah, il sent rien, ça. De me niquer ma game. Et puis le force. C'est violent. Hein. Je sais pas. La force. La force, je sais pas. Le soleil. Soleil, c'est pas si mal, en vrai. Alors, faut qu'il inflige des dégâts par contre. Bon, tant pis, on va faire un nouveau tirage. Jouez avec la carte supérieure de votre paquet révélé. Change quoi? Restaurez tous vos PV, les PV maximum sont doublés, réduit la restauration de PV de toutes les cartes dans les compétences passives de 1. Carte UBDD. Prendriez quoi vous? La roue de la fortune? Prendre la roue. Et on continue l'aventure, bien sûr. Pour l'instant, on n'a pas gagné grand chose. Hein. J'ai pas beaucoup de pièces d'or. Hein. En vrai. Mais elle est bien cette merde. En fait. Ah. Le truc qui réduit le nombre de cartes jouées par tour. Débarrasser de ça. T'as pas ça? Quand? La brique. La bonne brique. Ah, c'est le golem qui avait pas attaqué. Lenteur, ah oui. N'attaque pas au premier tour. Boom.
pas trop. Oula, trois gardiens. Vache. Et par contre, j'ai... Choisissez une aventure, alors ça, je l'ai fait une fois. J'ai regretté, hein. Déjà, il y en a un des trois qui fera pas de dégâts. Oh, ça crie pas. Plein de cartes utilitaires qui sont pas forcément des attaques, c'est un peu casse-couille. Oh merde. Bah oui, j'ai plus de carte de défausse. Bah, c'est pas ma faute, hein. Pour le coup. Allez! Merci, Ia. Des bisous, hein. Ça pèle, hein. Oh la vache. Ah, ça marche pas mal quand même, hein. Ah, j'ai un bon... Putain, mais le livre saint, c'est trop pété, en fait, hein. Le livre saint, c'est vraiment trop pété. Moi, j'aime bien les salles mystères. Oh, l'étranger. Tiens, prends mon trésor. Laissez une carte... Pour faire quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Manger des trésors contre des objets. Ah oui, d'accord. Je peux acheter quoi? Bah, je peux acheter ça. C'est craqué. Faut que je me défausse? Pourquoi? Sérieux? Oh putain! Ah oui, il faut que je le bute par contre. Oh là là! Oh là 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 là! Ils ont 4, je peux pas utiliser ça. Mais par contre, ça prend la max. Hein. Ça prend la max. Oui, je défausse ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, ça, Léon. Oh, flûte! Ah, il tient la route le deck quand même. Hein. Tiens, surprise. Picado. Allez, salut. Hein.
Oh, je vais pas le mettre à zéro d'attaque pour rien. Ah, c'est un trésor, on va le prendre. Bien d'avoir un ou deux trésors de temps en temps. Ah, oh, encore. Ah, tiens, un cadeau. Terrible ça, hein. Tirer deux cartes puis défausser une carte de votre main. Oh, quoique. Oh, si, c'est pas mal en fait. Oh, si, tu pioches deux et tu fous une carte qui t'emmerde au-dessus. C'est chiant. On a réduit la... on a limité la casse. On a limité la casse. Alors lui, je peux le laisser attaquer. C'est lui qu'il faut que je me débarrasse de lui, en fait. Ça va. Ça va. Ok. Ah, mais il a endurance, je peux rien y faire. C'est même si je lui fais ça, il prendra pas les moins 2. Par contre, ça fait piocher. Ah, c'est bien. C'est aléatoire. Ah merde. Oh, je crois qu'il m'a banni mon bouclier nul. Oh mince. Oh, on est tous déçus, non? Allez, dites-le, vous êtes déçus. Avouez-le.
Oh bah merde alors. Est-ce que je remets au-dessus? Je vais mettre ça. Quel dommage. Oh là là. Oh. Ah ouais, mais c'est des dégâts au hasard, ça m'embête par contre. Ouais, salut. Salut. Une chance sur deux qui m'enlève un truc. Ouais, évidemment. Évidemment. Perdu, on va aller les récupérer. Alors, le chaudron. Lui de chaque tour, deux créatures aléatoires sont engendrées. Ah! Je veux pas le voir. Ça va être tendu, hein. Putain, ça va être tendu. Ah, il m'a fait défausser au hasard ma bague. C'est bien. C'est bien. C'est très très bien. Question du board. Pas formidable, mais... ça gère le board. On peut le laisser. Lui, il est géré pour ce tour-ci. J'aurais dû faire ça avant. Quel connard.
pas le laisser en vie. Pas possible. Je peux pas me le permettre. Il est tendu ce combat, putain. Ça, c'est sympa. Compliqué là. Lui, j'y touche pas. Crit qui fait mal, hein. Crit, il fait un peu mal. Toujours le frac critique qui est là. Oh merde, vraiment. Oh, vache, j'ai pris tellement la max. Putain. Oh, je suis dans la merde. Je suis sérieusement dans la merde. Jamais de heal. C'était pas une sorte de compétence, ça. Un objet, ça. Compétence, 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 arme. Voilà.
Les dégâts aléatoires, c'est sympa, mais c'est un peu chiant, en vrai. Alors. Au début de votre tour, vous tournez toujours 5 cartes. Bah non. Je prends un risque. Le pendu en vrai. En plus, je peux a priori les bannir. Si j'étais pas fait complètement de la merde. Au revoir. Ah, je l'avais dit, hein. Ça marche bien. Ah, là, c'est un peu l'enfer, par contre, hein. Ah, putain de merde. Je prends 3, là. C'est ça qui m'emmerde. Parce que c'est pas lui qui m'emmerde, c'est l'autre. Ah mais j'ai de la pioche de l'enfer là. Hein. J'ai un peu de la pioche de l'enfer. Ça on n'en parle plus. Il mettra de me mettre une blessure pour rien. Fin de tour. Et je vais pas utiliser de compétences, forcément. Objet qui remet plus 2. Une arme qui déboîte. Et une autre arme qui déboîte. Passer. Albard, c'est pas ouf en vrai. Et on est remonté à 11.
être chiant ça. On débarrasse. Oh, plus 4 PV! Mais c'est magique! Pas con le mec. Par contre je commence vraiment à avoir beaucoup de cartes. 41 c'est vraiment beaucoup hein. Mais je crois que j'ai des malédictions donc faut que je me débarrasse de ces merdes pour perdre des cartes un peu. J'ai beaucoup de cartes, c'est des saloperies qui ont été rajoutées. Merde. Oh putain, plein de trucs qui bannissent, qui machinent. Ça va être chiant. Enlever ça. Là-dessus, je suis con. J'ai oublié l'effet qui faisait que je virais une carte. Puis là, du coup, c'est casse-couille. M'enlever quoi? J'ai peur qu'il m'ait enlevé une très bonne carte. Fais gaffe. Je sais pas ce qui m'a banni. Ça passe outre l'éthéré et le plus 3. Le 3 de dégâts. Putain, c'est bien. Ouais, c'est pas une arme, c'est une compétence. Du coup, ça passe. Ah oui, c'est arme uniquement qui peut mettre que 1. D'accord. J'ai pas fait gaffe à ça. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Tiens, hop. Alors, ça parle des mystères. Oups. Ils ont trois... Ah, ils ont trois...
Ça m'a fait quoi là? Pas compris. Pas eu. Tiens la route. Oh putain. J'aime perdre des PV. Ma grande passion. Alors au moins j'ai un peu moins de cartes. Du coup, bah, oui, d'accord, madame. Chiant. Au premier tour, au début du tour. Hop, plus 4. Il y a la deuxième blessure. Je virerai les toxines plus tard. Virons la toxine, prenons un PV, restaurons deux, piochons une carte, enlevons lui deux d'attaque, une petite attaque aléatoire, tirons deux cartes, virons-en une au pif, prenons encore un PV, restaurons un PV, dégâts critiques, et puis salut. Oui, on va prendre le trésor 25, hein. Régène, 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 et un truc qui donne des... Moi, je peux pas faire ça. Ah, il a 3, et là il a 4, merde. De l'overkill, mais bon, on va pas non plus s'en prendre plein la gueule pour le plaisir de s'en prendre plein la gueule.
Oh, parfait. Je commence déjà à avoir trop de cartes. Hein. Clairement, je vais peut-être pas en prendre en plus. Hein. Oh, j'aurais dû aller à salle difficile. Oh. Oui, remarque, salle des mystères, c'est pas mal difficile non plus dans le genre. Hein. Toi, je veux pas te voir. Je prends des dégâts d'une créature et une autre à celles qui sont adjacentes. Oh, j'aurais dû jouer un dernier mot, je suis trop con. Ah là, je suis con, j'aurais dû le jouer en dernier mot. Bon, tuer une créature de plus. Qu'est-ce que j'ai en défausse? Ouais, j'ai une toxine. Pourquoi j'ai fait ça? De toute façon, c'est lui qui est chiant vu qu'il y a des dégâts à chaque fois qu'on joue une carte. Putain, mais j'en ai des cartes de merde dans ce deck. Vache! Ah, endurance, mais merde. Difficile de dire non. Chiant. C'est une carte à défausser. Là. Tous les jours. Là. Tous les jours aussi. Là, ça, là, vous commencez à me casser les couilles. Flèche de dégâts, dernier mot, machin. Donc ça, ça va, c'est cool. Tuer cette merde. Bonjour. Celle-là, elle est en train de gagner des... Parce que mine de rien, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ces cartes-là, là, qui dit que ça augmente les dégâts de 1 jusqu'à un maximum de 5, c'est à chaque fois que tu l'utilises, en fait. Et c'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas reset à chaque fois que tu commences un nouveau combat. Donc au final, c'est plutôt très bien. Une arme qui a un dégât au début, qui finit par être une arme à 5. C'est plutôt rigolo. Ah, il y a du sang pour la dague, tout à fait. Intéressant ça. Niveau 14.
pourrais faire une salle difficile, tiens. Ça fait longtemps. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Salut Frésolet. Ça va et toi? Qu'est-ce qu'on défausse? J'ai rien à défausser de valable. On va virer la malédiction. Pas grand-chose en vrai. Oh, j'aurais dû... Non, ça fait piocher. Donc, bon. Je vais me dire, valait mieux que je vire ça, mais en fait, ça fait piocher. Bon, je vais tuer celui qui est au milieu plutôt, non? Formidable. Puis jouer. Heureusement qu'ils ont lenteur. J'aurais presque pu la garder la peste en vrai. Le principe du jeu, c'est du deck building pour avancer dans un donjon où il y a des monstres représentés par les cartes en face. C'est un peu comme Slay the Spire dans le genre, un peu dans l'esprit Slay the Spire. On va virer ça. Bon, lui a fini de m'emmerder. Lui aussi d'ailleurs. Bon, en vrai, j'ai gagné le combat. C'est bon. Quand un buveur de sang. Oh, bah oui. Un trésor, tiens. Allez hop. Je rajoute trop de cartes. Je sens que je rajoute trop de cartes. Laisser une carte à défausser. Putain, la vache. Pourquoi j'ai que 3 cartes au début? C'est pas très sympa. Ah oui, ça marche. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est le truc qui fait 12 de dégâts qui marche aussi au combat suivant. J'avais oublié ça. Mais oui, forcément. Tiens, on va enlever ça. Et puis on va taper avec ça. Pour qu'il passe à 4. Formidable. Passer. Alors, conseil des ombres. À sa mort, Lior, à mes heures, les autres ombres. C'est des boss? Ou pas? Qui sont considérés comme des boss? Eh ouais. C'est considéré comme étant des boss, c'est chiant. Ça sert à rien. C'est des boss. Ça sert à rien, ils ont trop de vie.
En vrai, ça commence à devenir chiant. Étonnamment, je prendrais étonnamment moins de dégâts. C'est chiant. Ils sont où mes PV, mes trucs qui rendent des PV, parce que ça commence à devenir un peu chiant en fait. Je vais finir par crever moi. Serré, hein. Ça va être tendu du cul, hein. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Putain de merde. Je suis mort. Je suis mort en fait. Je suis mort. À moins que je joue pas de compétences. Ah non, si je joue pas de compétences, je donne 2 PV. C'est un objet ça. Ok, c'est bon. Ah, il l'a amélioré en lui mettant éthéré, d'accord. J'ai envie de dire peu importe en vrai. Désormais, peu importe. Un truc de merde à défausser. Donc c'est bien. J'ai rien à bannir, c'est ça, c'est chiant. J'ai rien à bannir là-dedans. Moi. Ça c'était une compétence. Merci. On va éviter de jouer les autres. Hein. Ça c'est une arme dont il prendra que un. Bah, le problème c'est qu'il prendra que un, c'est une arme. Il est éthéré. Non, parce que ça peut être vraiment très utile. Je pense. Ah merde, je me suis trompé, je crois. Ah, c'était pas défaussé.
Je m'en débarrasse parce que ça commence à me gaver. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire contre mon skill? Oui? J'ai combien de compétences héroïques dans mon paquet? J'en ai une. J'en ai deux. J'en ai que deux? Merde. Attends. J'en ai que deux. Je suis moins ambiancé du coup. Même si l'autre, j'aurais pu la prendre, celle qui fait que si tu meurs, tu régènes. J'aurais peut-être dû prendre ça en vrai. Ah, ébranisez toutes les cartes de type malédiction, poison et blessure de votre paquet. Les cartes de type malédiction ne sont plus ajoutées à votre paquet. Lors du choix de compétences et de la pioche, vous aurez une sélection de ça. Je m'en fous. D'autres que je m'en fous. Allez, bonjour. Hein. C'est craqué. C'est tellement craqué. Alors, qu'est-ce qu'on vire? Qu'est-ce qui pourrait être bien ch... Non, parce que, mine de rien, je peux plus avoir de carte malédiction. Ça veut dire que les épées maudites n'ont plus de malus. C'est pété. C'est totalement pété. Je crois que ça faudrait l'enlever. Ça c'est fort. Ça sert à rien en vrai, les coups de poing. Pierre philosophale, je sais pas. Bah oui, c'est pareil, malédiction. Vas-y, je peux faire pierre philosophale gratos. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est bien. Ah, c'est fumé. C'est tellement fumé. Je sais pas en vrai. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin en fait de la massue, effectivement. Allez, on va la virer. On va virer un autre truc, on va virer. On va virer quoi autre? Est-ce qu'il pourrait ne pas être fou? Il y a les trésors, mais les trésors, je les garde parce que ça peut servir à échanger des trucs. Ça m'emmerde. Victoire! Ah bah merde! Ah merde!